Hey, salut à tous, c'est Fashram et bienvenue pour l'épisode 11 de Forgotten Anne, qui est l'avant-dernier épisode d'ailleurs. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, j'espère que plein de trucs, que vous passez de bonnes vacances, parce qu'on est en plein dans les vacances. Voilà, mais j'espère que vous allez passer une bonne petite demi-heure avec moi. Et ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Bon visionnage, les potos. Alors, on est de retour chez nous, ou presque. Et on va utiliser le passage secret pour aller vers Maître Bunku. Enfin, on va essayer, du moins, si tout se passe bien, pour lui péter la bouche. Alors, ouais, c'est par là. Tac, on monte. C'est quoi cette manière de monter? Alors, bah vas-y, purée. J'habite à 36 mètres du sol, j'en sais rien. Purée, encore une échelle, décidément. Ça n'arrête pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je présume que il faut envoyer du jus en haut. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Ça fait rien. D'accord. Ah si. Quand on va vers le bas. Ah, un ascenseur. Mais il s'est pas arrêté, il s'est arrêté un peu trop bas. Est-ce qu'il faudrait pas bêtement monter à l'échelle? Ou il faut prendre l'ascenseur? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on va voir ça. Je ne sais pas du tout. Youhou! Oh purée. La gamelle, quoi. Ah non, on ne peut pas. J'ai pas l'impression qu'on puisse prendre l'ascenseur. Il y a des grosses banderoles devant, donc ça veut dire qu'à mon avis que. On peut pas rentrer dans l'ascenseur, sans doute. Non, hein. Eh bien non. C'est bloqué. Ben oui, l'échelle, je présume. Allez. Ah oui, on doit remonter avec le... Avec Fick. Allez, monte. Allez! Oh les sauts quoi, ça va pas me manquer ces sauts. Non mais j'appuie trop tard en fait. Mais non! Aïe aïe aïe. C'est quoi ces sauts bizarres? Voilà, tac, voilà. Allez. On monte. On monte encore, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. J'ai l'impression que ça n'en finit pas cette échelle. À mon avis, on doit bêtement prendre l'échelle pour continuer en fait. Bah oui, puisque lui monte par là. Mais est-ce qu'il faudrait pas passer derrière le. Ouais, voilà, il faut passer derrière le grillage. Voilà. Bon, on fait pas attention au bordel, hein. Bunku must have cut the flow from his anima reserve. Well, this is nice. Great view, good closet space, and what, three floors? Ah ouais, and ah ouais. A balcony. Oh, c'est la classe, c'est la classe. C'est chez moi. About the neighborhood, though. Bon, c'est par où le passage secret? Est-ce que c'est en bas? Non, il y a simplement des réserves d'anima qui sont complètement vides. Alors, est-ce que je peux aller par là? Oui. Qu'est-ce qui est par là? Ah oui, c'est où il y avait mes ailes, je pense. Tout à l'heure, non? Enfin, dans l'épisode, dans les premiers épisodes, je pense que. Ah mais non, où il y avait les ailes, c'était, je sais plus où, tout près de chez Tiffany, je pense. Ready? 3, 2, 1.
Go. Go. Raté. Je suis à bouler. On recommence. 3, 2, 1, go. Voilà, ça va déjà mieux. Il y a de nouveau une énigme avec les petites bubules, mais je pense que je l'ai déjà fait ce truc là. Je pense qu'il faut bêtement activer le truc en fait. C'est quoi ça sert à rien. Ok, d'accord. C'est cool. Est-ce que je peux avoir de l'arc? Il y a tout qui est vide en fait, en bas aussi c'est vide. Mince. Où est-ce que je peux choper de l'arc? Je vais redistiller fig en fait. Ça peut être sympa. Si j'appuie sur le bouton, ouais, ça fait rien du tout. Il faut absolument que mon arc soit chargé en fait. Où est-ce que j'ai vu de... En bas, il n'y en a pas. Dans le miroir, peut-être. Ou en haut, peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose en haut? Non, il y a l'air de rien y avoir. Ah, c'est par là que l'oublion s'était barré dans le tout premier épisode. C'est cool de revenir dans les endroits qu'on a déjà visités. Alors, bon, va falloir ressortir alors en espérant qu'il y a un truc d'arca quelque part. Ah mais oui, on peut le prendre d'en bas en fait. Je pense non, il y avait de l'arca en bas. Dans le générateur, il y avait de l'arca. J'espère que ça va pas m'emmerder avec le... avec l'ascenseur, par contre. Non, il n'a pas l'air de remonter. C'est bon. Allez, on a enfin notre arca. On va pouvoir... continuer. Et pouvoir emprunter le passage secret vers Maître Bunku. Non, c'était pas par là, je pense. Ah, si, c'est juste. Mon sens de l'orientation est moi, quoi. Voilà, enfin! Allez, let's go! On y va! Bon, un petit cut. Bon, je présume que il va nous suivre. J'espère. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle regarde? I haven't been here for years. Which way do we go? Up. Up it is. C'est parti, on monte. This is the core chamber. Bunku taught me how to use the arca to operate the service lifts. I used to play here. Ouais, c'est pas vraiment un endroit pour jouer, mais bon. Bunku didn't know, of course. Didn't used to be this cold in here. Looks different too. The lifts will take us to Bunku's private rooms. Before I got my own place, this is where I used to live. From there we can access the control room and turn off the security system so Bulb can get in. What if Bunku won't listen to reason? Then he'll turn on the ether bridge. But he'll listen. I know he will. But s'il veut pas nous écouter, on va le faire écouter tout simplement. You'll always be the one who turned me against him. Whatever you need, Anne. Ok. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Rien du tout, quelque chose. Ok, il y a déjà un truc à ramasser, il y a un truc d'arca, il y a une échelle. Est-ce que ça va me servir l'échelle? Pour aller où? Ok, il y a un autre truc à activer là-bas. Ah d'accord, bah oui, voilà, je peux activer l'espèce de plateforme de là-bas. C'est comment que ça se passe? Voilà.
Est-ce qu'il faut, il faut le faire monter, puis se faire monter après peut-être? Je sais pas du tout. Je comprends pas. Je pense qu'ici ça sert à rien en fait. Je pense qu'il faut le faire revenir. Il faut faire revenir la plateforme vers nous et activer la plateforme pour qu'on puisse monter avec avec Fig. Allez. Non. Stop. Ok. Ok. Ah bah voilà, ok. D'accord, on peut la faire monter comme ça. Tac. Et voilà. Alors, il y a deux manivelles là-bas. Enfin, deux... Pas des manivelles, mais c'est des deux interrupteurs. Un troisième là-bas. D'accord. Ok, donc à mon avis, ça va être un jeu d'interrupteurs un peu partout. Il va falloir accéder, à mon avis, à des endroits avec différentes passerelles, etc. Ça a l'air d'être comme ça, en tout cas. Ok, donc on active cette passerelle-là avec ce bouton-là. Et celle-ci, est-ce que quoi, on peut que faire que descendre en fait? D'accord, mais ce serait pas une porte là-bas? Non, il n'y a pas de porte. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Et on doit aller où? On doit continuer de monter, mais... ouais... Ah, il y a le truc qui a l'échelle en haut, d'accord. Donc du coup, il faut le faire revenir par ici. Et je sais pas du tout où est Fig par contre. Et bon, je présume qu'il se débrouille bien. Ok. Ah ben voilà, il est en haut. Ça va pas m'aider à monter, non? Youhou! Je croirais dans une attraction. Non, c'est haut. Oula, ça a l'air de se compliquer tout doucement tout ça. Est-ce qu'on doit aller vers la porte ou est-ce qu'on doit continuer à monter? Let's talk about something. I can't think of anything. Did you really work at the plant? I actually designed one. Back then, I thought it would be a power plant producing anima crystals. And when you found out what it was, cette plateforme. I knew I had to stop it. Not just the plant, Bunku as well. I explained my thoughts to Rin, the supervisor of the plant, remember? How could I forget? We were pretty close back then. She ratted me out. Before I knew it, I was stripped of my validation sticker and had to escape the plant chest over heels. C'est bizarre. Celui-là, il contrôle quoi? Il contrôle ça. D'accord. Réfléchir. Est-ce qu'il peut sauter? Non, il peut pas sauter. D'accord, donc il faut vraiment faire... les mettre côte à côte en fait. De voir ce que je peux faire. Alors, ça prend la tête. Il vient pas dire qu'il peut pas monter là quand même. Tac, et celui-là, il va où? Ok. Ah oui, non, c'est pas Fig en fait que je dois
que je dois faire aller, c'est moi-même qui doit rejoindre Figgy, à mon avis. Ouais, ça doit être ça. Ouais, j'en sais rien, en fait. Je teste des trucs un peu au pif. Ouais, je présume que si je... Voilà. Ok, voilà, c'était pas si compliqué, en fait. Et on va prendre la porte. Allez, c'est parti, on continue. Voilà, un petit peu de lumière, ça fait du bien. This was my home. Where's Banku? Not here. He'll be at the atrium at the very top. With his ether bridge. Bah oui, le boss final est toujours en haut d'une tour. C'est quand même connu. I'd stand on that balcony every night. Close my eyes and feel the rain in my face. Mais du coup, qui a pris la photo? Ah bah oui, c'est Banku qui a pris la photo. It's from the day I moved out. You know, he got me a bike for my birthday once. It was this horrible old thing he found who knows where. But I loved that bike. First time I rode it was in here. C'est cool. I knocked over a desk and two lamps. Les anecdotes complètement craquées dont on se fout. On arrive à une belle bibliothèque. C'est joli, n'empêche, les couleurs sont fait ça, c'est bien foutu. Ah, mais c'est des ailes là-bas. Ah, d'accord, c'est ses premières ailes, d'accord. Donc forcément, elles sont certainement trop petites maintenant. Ok, donc... C'est quoi ce dessin? Fig, what if he won't listen to me? Take a look at this place, Anne. You're his whole life. You just need to remind him. C'est affreux. C'est moche. Ah, il y a un truc à ramasser. Ouais, un memento dont on ne comprend rien de ce que c'est, mais c'est pas grave. C'est plus, voilà, c'est pour le lore, c'est pour voilà, si on s'y intéresse, ça peut être cool, mais bon. Voilà, donc on s'intéresse plus à l'histoire de base. Eh ben rentre alors, qu'est-ce que t'attends? Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? It was never allowed in here. Whoa. Prise de tête à venir, à mon avis. All these stories from the ether gathered in the same room. This must be the closest thing to the human world without actually being there. Why didn't he let you in here? He never told me. Mais parce que c'est le repère du méchant, voilà pourquoi. On ne peut jamais rentrer dans le repère du méchant. Bon, c'est par où? C'est qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il faut aller où? Je présume qu'il faut monter. C'est quoi ça? Une maison de poupée. Une note à l'intérieur. Une jeune femme se rend compte que son mari la traite avec condescendance et doit choisir de partir ou rester. Ah, bah écoute, voilà. Ok. Bon, encore monter. Un point d'interrogation. Un livre intitulé Siddhartin, une jeune homme de la haute société trouve la paix intérieure en renonçant à ses désirs. Ouais. Pas trop le rapport. Encore un livre, sans doute, le prince. L'art de manipuler les gens en les montant les uns contre les autres. Ouais, ça marche toujours bien, ça. Hein. Autant demander à nos politiques, ils en connaissent un rayon. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Alors, un petit peu d'arca, ça fait du bien. Ok. Je vois pas du tout ce qu'il faut faire. Don Quichotte, un noble chevalier convaincu d'être un noble convaincu d'être un chevalier, pardon.
Je vois pas du tout par où il faut aller en fait. C'est un peu problématique. Il y a la, là, il y a une plateforme. Frankenstein. Bla 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 bla. Ok. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Ah, je présume que par là c'est. Ah, qu'est-ce que je fous? Non. Est-ce qu'on peut remonter par là? Non, visiblement. Ok. Et là. Je ne peux pas partir maintenant. Mais non, forcément, il faut. Faut... Mais il est où, Fig, pour m'aider quand j'ai besoin de lui? Purée, quoi. Bon, le petit code de l'amour quand même, parce que j'ai pas compris du tout où il fallait aller. Mais maintenant ça va aller. Parce que des fois c'est pas très clair. Les énigmes sont pas toujours très claires. Il n'y a rien de très ardu, hein, mais des fois c'est simplement un manque de compréhension de des dynamiques et tout ça, tout bêtement en fait. Ah, il y a plusieurs. D'accord, il y a moyen de se aller plus dans le fond de la de l'écran. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ces livres ont une pseudo importance. This is the way to the atrium. It won't move. We have to shut down the security systems before we can go up. Ok. The door to the security room is in here somewhere. J'ai pas compris non plus ce qu'il fallait faire. Mais bon, visiblement, il faut virer les systèmes de sécurité. Donc, on va s'atteler à ça. On va essayer du moins. Bon. Quoi, le truc en rouge là, ça veut dire qu'on peut pas monter en fait. Et là, qu'est-ce qu'il y a par là? Encore des livres. Ah, Peter Pan. Mais les thématiques de tous ces livres là, à mon avis, c'est chaque fois des thèmes du jeu en fait. Voilà, vous voulez peut-être les développeurs qui voulaient montrer leurs inspirations, ce qui est fort possible aussi. Bon, là c'est tout droit, on peut pas se tromper. Il y a qu'un chemin. Ok, ça y est, on peut désactiver tous les systèmes de sécurité de la tour ici. Et c'est pas gardé? Est-ce pas gardé tout ça? C'est assez étonnant. Il y a des interrupteurs, juste parce que... C'est de ça que ça parle. Ok, il y a des lumières vertes un peu partout, donc je présume qu'une fois qu'on a toutes les lumières vertes, on va pouvoir continuer notre périple. Tac. Ah, c'est la classe. C'est la classe quand même, le moyen de déplacement comme ça. Toucher sur, ça veut dire qu'on a légèrement de la place en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Je comprends pas tout. Mais je présume que je suis dans le bon. Alors. Ah, voilà. Avec l'alarme qui pète bien les oreilles. Let's hope we won't. Ah! Tout qui pète.
sais pas si c'était prévu ça. Mais bon. On a fait ce qu'on devait faire. Allez, embrasse-toi au moins sur la joue, quoi. I can't drag this out any longer. Let's go. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a encore quelque chose là-bas ou par où on doit aller? Ouais, par là, je présume. J'en sais rien, l'autre. Ah, c'est quoi ça? Un piège. C'est un piège. Parce qu'il est pas content là. Le piège. Eh bien voilà les amis. Tic tac, quel est ton plan? Ben voilà. On va se retrouver, je pense, après-demain, si je peux faire la vidéo, si je peux couper la vidéo, normalement ça devrait le faire. Donc voilà, je suis un petit peu en mode un petit peu plus tranquille ces moments-ci, donc je vais pouvoir normalement enchaîner quelques vidéos de manière un petit peu plus stable. Ça fait plaisir de vous avoir un petit peu plus sur les réseaux, sur via les commentaires, etc., etc. Et surtout, ce qui fait le plus plaisir, c'est que vous visionnez les vidéos. Donc c'est ça qui me voilà, c'est sur ça que vraiment que je veux me baser, qui est plus ou moins des viewers un peu stables, je vais dire. S'il n'y a aucune obligation, évidemment. Enfin, bon, voilà, j'ai rien à vous dire. Vous êtes des adultes. Donc voilà, mais. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et je vous fais des gros bisous. Je vous laisse. N'hésitez pas à partager, à commenter comme d'habitude et blablabla, le blablabla habituel. Je vais finir par plus le dire pour finir. Mais avant tout, regardez ma vidéo. Voilà, c'était Fashram. Je vous laisse et on se retrouve très bien plutôt pour le dénouement complètement final avec certainement un boss complètement épique. Et puis voilà, on pensera tout doucement à faire le prochain jeu. Voilà les amis. Allez, salut, c'était Fashram, à la prochaine. Ciao, ciao.